Est-ce que m'a toujours dit nous vérité pas ka cacher. Vérité elle ka prend un an, li ka prend 10 ans, comme ça tout le ka prend 100 ans. Mais là pour qu'on est là, là pour vérité apprend la rue pour éclater au grand jour, tout le monde a connait le sans bruit, sans compte. Sous 10 mois assassinat président Jovenel Moïse, ou pral récit qu'on est qui véritable rôle Reginald Boulos joué professionnellement dans assassinat ça dans la mort ça. Assassin yo a veillé nous-mêmes n'a chercher information pour nous porter pour. Ah bien, nous pral regarder ensemble qui lien qui existait entre Reginald Boulos entre Joseph Lambert, actuel président Sénat, ah oui, y compris Michel Joseph Martelly avec ambassade américaine. Ensemble, nous allons faire toute découverte ça yo, toute démarche ça yo, point par point, étape par étape, et nous allons comprendre, nous allons voir tout. Jovenel Moïse, c'est l'heure de compter ces jours, de compter, vle par vle, nèg yo, de éliminer. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue. Ou sous TAC 509, tout haïtien connecté, ou dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. C'est toujours un plaisir pour nous croiser, pour nous parler pays, mais nous connaissons leur information, leur découverte ça qui fait, leur donner ça, leur arriver compiler pour me porter au bas, pour me partager avec, pour me content pire parce que nous pral lever voile, nous pral mettre lumière sur un paquet nègre, un paquet bluffeur. En dedans pays cap prend pour saint yo et puis cap vinn bay peuple la menti. Et bien là déjà m'a invité au préparer partager vidéo à partager émission et sur fait tomber sur channel là pourquoi abonner mes amis pas hésiter faire ça abonner toujours songer activer petite cloche notification comme ça va rester connecté avec nous chaque vidéo n'a gagné pour nous poster ou recevoir une petite notification et rapide vite cap vinn participer avec nous. C'est un grand plaisir pour là, pour là, nous pral parler pays, nous pral faire débat. Mais bien avant, mes amis, qui te me rappeler nous, projet Fête des Mères, là, il est toujours là. En Haïti, nous fêtons Fête des Mères dernier dimanche dans le mois de mai. Et l'initiative, le projet qui est là, c'est que nous pral fêter avec 100 mamans. 100 mamans, ça, avec 2500 gourdes ou bien 25 $ US, ou qu'à supporter l'initiative, supporter le projet, puisque c'est contribution, c'est ensemble pour nous arriver, et pour ton petit sourire, pour ton petit kichoy, petit coulier, pour nous bailler mon zaron, petit cœur content. Parce que nous déjà, well, nous comprenons si c'est pour autorité, yo. Nous comprenons si c'est pour responsable l'État, yo. Nous avons un ministère femme là, on dirait c'est veille qui les gars sont battre femme zèlement pour faire toller. Mais, ou pas, ouais, qui accompagnement vraiment, yo, bah, mesdames, yo. Nous pas, ouais, qui ça, yo, régler pour femme. Mais nous-mêmes, nous là, n'a pensé avec communauté, on a pensé avec femme, yo, n'a pensé. Nous là pour nous penser pour yo, nous là pour nous parler pour yo, nous là pour nous agir avec vous. Donc, m'encourage au petit coulier, venez participer à un projet ça, et pour nous atteindre l'objectif là, pour faire dernier, cap dernier dimanche dans le mois de mai. Donc là, préparons, nous prenons le pays, nous prenons le fait débat. En aller. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2 h, suivez sur votre chaîne Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Est-ce qu'on te souvient après l'assassinat président Jovenel Moïse, tout secteur, que t'es opposition politique, que t'es secteur privé, tout le monde sa yo, Jovenel Moïse te en fasio pendant dernier reste mandat là. Tout nèg sa yo te mette tête yo dehors pour yo dou, yo condamné et crapuleux, yo condamné crime horrible, yo condamné, yo fok yo cherche criminel, yo fok yo traduire devant la justice. Nous songe tout bagay sa yo. Nous songe parmi moun sa yo qui te fait partie de moun qui t'a dénoncé assassinat président Jovenel Moïse, te gagné et un paquet nèg qui après commissaire du gouvernement pral mette mandat de yo. Songe et Linné Balthazar, lib PHTK qui te dénoncé. Ou songe tout bon paquet pasteur jodi an la qui gen mandat de yo te dénoncé. Ou songe même Reginald Boulos nan MDV Haïti sa li te dénoncé. Finalement, nous pral vin comprendre que cette stratégie nèg yo
pour te détourner attention sur yo. Ou pral vin comprendre puis devant, c'est politique qu'a fait et même le nèg yo fin comment dirais-je, yo fin réunir ensemble, yo fin assurer, yo font consensus pour yo bay Jovenel Moïse en coup d'état. C'est pas le premier coup d'état Tibois qui t'a avorté non, pour yo bay président en coup d'état qui abouti avec assassinat côté que par la suite, yo pral vin assurer yo prend contrôle pouvoir. Mes amis, quand vous savez de bagaille qui a passé en dedans la République, sous pas connait ou sous pas chercher connait, c'est comme si on vivait dans propre pays ou même ou étranger avec ça qui a passé en Haïti. Ou gagné Reginald Boulos. Reginald Boulos, homme d'affaires influent, Reginald Boulos, si m'a pour remonter le temps 2004. Pour yo te voyer Aristide aller ou te joindre à l'époque Reginald Boulos ça qui était président chambre de commerce en Haïti, qui lui-même te face avec Jean-Bertrand Aristide, face avec pouvoir la valassan, Reginald Boulos sa, qui t'a travaillé pour l'ambassade américaine, ou te joint groupe 184 qui te gagne à Pedro Joladan, c'est même yo-même qui te choisi, yo mobilisé, yo motivé avec l'ambassade américaine pour yo renverser pouvoir Aristide là, pour yo voyer Aristide aller, parce que yo te gagne des intérêts économiques, yo te gagne des intérêts politiques. On dirait bien sous la valasse, nèg sa yo groupe bourgeois sa yo même yo té dehors pouvoir yo té dehors gouvernement yo pa tap ka souci yo pa tap ka fè bè. Bref, nous pas dans la valage jodi an là, nous pas dans 2004 mais nous dans Jovenel Moïse. M fè ti retour en arrière, ça c'est pour ka comprendre. C'est nèg qui dans secteur privé, c'est nèg qui contrôle le commerce en Haïti, c'est nèg qui gen influence économique en Haïti, c'est moun sa yo principalement qui gè contrôle pays, parce que États-Unis avant tout, n'a pas considéré ambassade américaine ou bien corps groupe Jean-Lien, Binu Jean-Aurélien, il y a plus des intérêts économiques en Haïti, ils veulent protéger, ils veulent préserver que des intérêts politiques. On va dire un bagage qui simple. L'un d'entre eux parle de contrat route ou bien contrat courant, etc. etc. Est-ce qu'on pense que entreprises à yo? Yo, c'est des entreprises haïtiennes typiquement. C'est des entreprises on groupe haïtien dirigé, mais c'est des entreprises pour la plupart toute économie, toute capital yo côté lié aux États-Unis. C'est des entreprises qui enregistrées, c'est des entreprises qui enregistrées aux États-Unis. C'est des entreprises actionnaires majoritaires, tout l'argent yo, c'est dans banque américaine yo. C'est des entreprises qui pas gain rien vraiment pour en Haïti sinon que mettons un local campé 10 messieurs social yo, 10 mes côté et employé yo travail etc. etc. Mais tout capital social yo, c'est l'autre côté yo transféré. Pour qui ça nèg la bon lettre de crédit nan mel? Depuis l'état pa paye, comme si yo pa paye l'argent contrat la tan, li ka aller avec l'aide ça, l'al nan BRH etc., li touche l'argent et puis l'argent sa pense c'est Haïti l'argent brasé etc. Et pourtant c'est pas vrai parce que non même l'argent gaz, l'argent pour nèg yo acheter gaz etc., yo getan fait comme qui ka fait entreprise à fonctionner, comme si si ça l'état pral ba yo, comme si l'état ta dwe yo chaque mois pour le payer comme courant, comme si c'est intérêt yo getan y a le mettre dans banque. Donc, le contrat coupé à Nexao, le contrat courant, contrat route, de ce où tu es de parler de projet 5G Internet avec Jovenel Moïse, le TV, le TAP, raconte nous un paquet de formations sur Baïsao, c'est un paquet de monde qui gagne des intérêts aux États-Unis, des intérêts qui placent dans la banque américaine, l'argent, bien, etc. Donc, le contrat ça n'a pas qu'à passer ou bien le contrat ça a coupé. Li paraît tout normal, tout naturel pour ambassade américaine, pour ambassadeur américain, etc. Pour yon même, pour yon senti intérêt ou lésé, pour yon senti intérêt ou menacé. Parce que en retour, moun sa yo gen des intérêts, yon gen l'argent par yon, yon gen ristoun par yon yap touche. Donc l'on pral dim, on contrat internet 5G, le pa passe ou bien le l'argent pour nèg yo ta paye, c'est exactement li même Jovenel fè yo paye. Ou pensez y a content? Parce que qui ça gagne leur corruption fait, corruption pas seulement yo sous doyé nèg sa ki nan et l'état là, pas de problème yo sous doyé yo. Vous comprenez? Si l'argent ba la, ça pas rien par rapport avec sa ambassadeur, sa diplomate, sa et XY k'ap touché. Li pas rien. Donc intérêt économique américain le menacé.
Donc, il n'y a pas quitter aucun président, aucun premier ministre, aucun monde qui pense qu'il a gagné tout pouvoir politique en Haïti pour ces gens qui a vu passer au l'autre jamais. Donc, nous pensons, Jovenel Moïse, lui-même là, pour quoi il était capable, il était dit que, et question 5G, mais qui quantité l'argent pour payer 5G. Nous pensons que le Jovenel Moïse décide de couper le contrat, il dit comme ça, oh, et question courant, motivé, etc. L'État géré courant, puis m'bral son réforme dans EDH pour gagner courant 24 sur 24. Nous pensons que vous êtes content, vous n'êtes jamais content. Ou bien, d'où, question route, là, qu'on y a, nous prenons ça, c'est nous qui gérons, nous pas bail subvention gaz encore. Nous pensons que vous êtes jamais content. Nous pensons que vous êtes jamais content. Le intérêt économique qui est menacé. Ah bon, je t'apprends. Donc, assassinat président Jovenel Moïse, en dépit du fait, ou pral ouè sous table planification, sous table négociation, gagne acteur politique là-dedans, mais majoritairement, moun qui finance lui, c'est moun qui gagne des intérêts économiques. C'est moun qui gagne plus à perdre sous scène économique, là, sous marché économique. Là. Moun sa yo, nan un mois, nan deux mois, nan un an, y a perdu des milliards de dollars. Donc, yon gen tout intérêt pour yon planifier avec moun sa yo qui ta bataille, qui ta fait bataille politique souterrain. Ou pral comprendre, yon gen tout intérêt pour yon rencontrer, négocier, planifier, assassinat Jovenel Moïse. Maintenant, qui rôle Reginald Boulos nan tout bagay sa yo? Parce que, pas oublier. Le n'a pas cherché commanditeur. Le n'a pas cherché. Assassinat Jovenel Moïse, il fait à plusieurs niveaux, à plusieurs étapes. Ou gagne exécutant, ou gagne commanditeur, ou gagne et complice, etc. etc. Mais je dis, là, on a parlé de nèg qui fait partie du secteur économique, là, qui est le nèg qui gagne l'argent. Nèg qui gagne l'argent, est-ce que c'est exécutant? Yo? Non, il paye exécutant, il paye colombien, etc. etc. Que son façade, que te commando américain que te fait, que son façade colombien, oui. Exécutant jusqu'à date, c'est colombien, c'est mercenaire qui est dans la pénitentiaire nationale. Ou n'y a, n'y a qui gagne l'argent, qui ça yon fait? Soit yon finance pour maquiller, soit yon finance réellement, mais c'est yon même, c'est l'argent qui ba exécutant yon mission, c'est avec l'argent yon ba exécutant yon job pour aller faire ça. Clan. Donc, ou n'y a dit tout bien. Wall principal nèg sa yo nan assassinat, c'est nan ki niveau réellement placé. Parce que m'pral di yon bagay. M'te pose yon ti kesyon nan premier, nan début émission, c'est ki lien ki gen ki existe entre Reginald Boulos, ki lien ki existe entre Reginald Boulos, ambassade américaine, entre Joseph Lambert, ambassade américaine, y compris Michel Joseph Martelly, ambassade américaine. M'pral di. Yo assassiné Jovenel Moïse 7 juillet. Deux jours avant l'assassinat du président Jovenel Moïse, soit le 5 juillet 2021, Reginald Boulos décide de payer deux compagnies lobby aux États-Unis. Yo gagne mission principale qui sa mission yoye. Yo gagne mission pour faire promotion pour MTV Haïti. Pour faire promotion pour une transition. Pour faire promotion, pour reporter l'élection, calendrier électoral, conseil électoral Jovenel Moïse te mette campé, pour reporter l'élection. Illico presto. Ou gagne l'autre entreprise lobbying, li même li gagne responsabilité pour faire promotion, transition, en transition qui a gagné, en transition bicéphale qui a gagné dans tête li. Qui est-ce? Qui est-ce nous pensez? Reginald Boulos, yon nan moun, yon nan présumé commanditeur, yon nan présumé nèg ki finance assassinat. Imaginons pour qui est li tap paye compagnie lobby ça pour faire promotion. Li tap paye pour faire promotion pour Joseph Lambert comme président transition et Ariel Henry comme premier ministre transition. Est-ce qu'on t'en dérose? Ou n'y a nous pour aller plus loin. Maintenant, ou gagne toute information sa yon nan moun. Ki relation Joseph Lambert gagne avec Reginald Boulos
pour parler de transition, et puis transition ça, ou fait qu'on est que c'est Lambert qui a la tête li, et Ariel Henry a premier ministre. Alors que pour qu'on ait aucune garantie qui pral faire comprendre, qui pral faire connaître que Ariel Henry a gagné chance pour lui une premier ministre. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on ouais côté école là? Est-ce qu'on ouais côté problème là? Et ça me dit nous là, nous mettre marqué ça. Et Yannick qui dit nous le marqué ça. Nous ouais. Si gouvernement Ariel Henry li rive jusqu'à 7 février 2023. J'entends des régional boulossement de li exige l'an. N'a déjà compris, n'a déjà ouais. Qui est-ce qui assassiné, qui touye, qui commandité, qui planifié l'an mort président Jovenel Moïse tout bon. Mbrado, ou est-ce que lobby ça qui a travaillé pour régional boulossement? Aristopian, il travaille pour Reginald Boulos en 2019 déjà. Mais par rapport avec Jean Contra, il était fait, etc. Ti, erreur qui était gagné, et puis il était venu quitter ça, il a crasé, quitter ça avec Reginald Boulos, il n'a pas travaillé. Eh bien, 5 juillet, c'est lui-même, c'est même firme ça, c'est même entreprise ça, il embauché encore. Qui rive, n'est qu'il arrive à atteindre. Yo ni parce que objectif régional Boulos geneg y a payé faire lobby, yo payé faire lobby pour yo et non département d'état, yo payé faire lobby pour yo dans congrès américain. Lobby régional Boulos son lobby le payé qui pour arriver atteindre président américain Joe Biden. On imagine qui quantité l'argent nèg la mettait dehors parce que chaque bagaille yon gen étape yo, chaque bagaille yon gen niveau yo, chaque bagaille yon gen l'argent qui disponible pour yo. Faire lobby paye nèg pour arriver juste pour arriver atteindre Joe Biden, ça c'est pas ti kaka nèg yo dépenser non, ça c'est pas ti monnaie plus nèg yo dépenser, ça c'est l'argent gagné dans figyo, c'est l'argent créé, l'argent régional Boulos dépenser pour le faire lobby. Et je dis là, on a regardé comment on a regardé et panoramique scène politique là en Haïti, on a regardé depuis qui le Ariel Henry là, Ariel Henry monté 20 juillet. Nous avons toujours fait un débat. Parce que l'homme dit nous pas de aucune certitude que Ariel Henry t'a pas investi dans la fonction. Ou pour le comprendre. Ariel Henry, son premier ministre qui t'a désigné. Et d'habitude, c'est vrai, Jovenel Moïse, t'es dans un contexte politique, côté que pas de parlement, pas de choisir premier ministre pas passer devant parlement, etc. etc. Ok, procédure ça n'est pas respecté. Bon, bref, ça nous connaît comment violation constitution li fait de manière récurrente. Mais qu'on y a dit tout bien, c'est président qui toujours installe premier ministre, yo assassiné et président Jovenel Moïse, alors que Ariel Henry peut quand même installer. Donc, à l'époque, premier ministre Claude Joseph, ou pas le comprendre, nous, premier ministre Claude Joseph, qui lui-même, qui t'a assuré, qui t'a assuré transition, donc, l'idée qu'a dit, bon, c'est moi-même qui gagne plus légitimité, parce que c'est moi-même qui t'es là, malgré nous sommes premier ministre démissionnaire, mais au moins, l'âme qui a continué pour me dire, m'a liquider les affaires courantes, jusqu'à ce que, vingon nouveau président, bien, jusqu'à ce que élection faite pour me mettre au président. Mais on vient rentrer dans une polémique là, côté que malgré ou senti Claude Joseph était confortable par rapport avec position dans tête pays, mais le corps groupe vient parler. Le corps groupe dit yo reconnaît que Ariel Henry a légitimité, yo reconnaît que Ariel Henry c'est lui-même qui premier ministre qui s'acrivait. Qui s'acrivait Claude Joseph pas gagne l'autre solution sinon que retirer col Ariel Henry tête pouvoir, Ariel Henry pays pour le diriger. Parce que là, Ariel Henry, il est en jouit de bénédiction, non seulement corps groupe, là-bas, là, on a parlé de corps groupe, on a parlé de États-Unis, tout carrément, parce que tout le pays qui fait partie de corps groupe, il y a là que pour la galerie. Il y a là que pour la galerie, que pour satisfaire, pour son conseil, son comité, j'en ai carré les là. Mais tout le monde qui est dernier mot, moun ki gen dernier mot, moun ki gen droit la parole, là c'est États-Unis. Donc les États-Unis dit oui, c'est Ariel Henry. Donc on y a posé cette question, font un retour en arrière pour dire est-ce que c'est pas plan régional Boulos qui commence à exécuter, puisque plan régional Boulos c'était consolider pouvoir avec Ariel Henry. Et ça qui doit là, on te vient parler de Lambert comme président de transition, m'a dit nous ça clair. Le assassiné président Jovenel Moïse, Lambert pas même en dedans pays, Lambert était en République Dominicaine.
S'entendez, hein, Lambert qui est en fou, m'pas qu'on ne disait en bas, li basé, parce que t'es en fermé frontière, tout bagay, m'pas qu'on disait dans rivière, passé, m'pas qu'on côté le passé, Lambert est entré en Haïti. Lambert est entré en Haïti, ou est en sorti, li voulait renforcer sécurité, li plus voulait habiller tant que président, parce que, nèg yo est en garanti. Nèg yo est en connaît, parce que toute planification, toute réunion t'es en fait, et c'est l'ordre à comprendre tout. Option premier ministre que Pamela White a parlé, ancienne ambassadrice américaine, t'a parlé, ou déjà comprendre, nèg yo te gete évincé, nèg yo te gete touye président Jovenel Moïse avant même que le mouri, avant même que le te assassiné. Parce que, au président dirigeant pays, ou gen t'en vini avec une question, ou pose option premier ministre. Alors, ce qu'on a parlé d'un président qui est élu démocratiquement à travers les urnes, l'élection, moun vote, etc., etc. Même le, c'est pas nous-mêmes qui t'as censé dire gen élection, même le bataille élection, ça c'est nous-mêmes qui connaissons. Mais automatiquement, t'es gen président pays, tout le monde t'es gen ouè nan li. Légitimité, donc pas de question, nèg la dirige pays, nèg la dirige population, et puis ou même pour ouvrir bouche l'autre côté, on fait promotion, option premier ministre. Donc là, tout bagay, les 40 ans déjà été cuit pour Jovenel Moïse, c'était déjà fini depuis l'heure en ligne, t'es si en rêve de mort, ou bien fin de pouvoir. On y est, on va le comprendre. Ancien ambassadrice en Pamela White, ou bien États-Unis, ou bien corps groupe, j'en ai qu'à considérer là, même yon te gete ge position yon par rapport avec Jovenel Moïse. Kounye yon, position politique nèg yon en Haïti, fok yon jwenn de pion, fok yon jwenn de moun takou John Joel Joseph, fok yon jwenn moun takou Odolje nan secteur mafia, tout nan secteur économique lan. Faut que yo joigne moun ki gen ambition politique tankou Emmanuel Sano, faut que yo joigne moun ki gen ambition tankou la guerre civile tankou Dimitri Ra pour yo monter complot pour yo bien saler bagay la projet pour ka réussi. Donc kounye an Reginald Boulos si même par rapport avec Wally, par rapport avec position ou pral vin comprendre que nèg sa yo, yo même, yo bon seul intérêt, préserver intérêt économique yo. Politique la, li pa on merde pou yo, parce que c'est avec l'argent yo gère tout bagay. Politique la pa on merde pou yo, parce que depuis nèg la gen l'argent, li ka mette moun de yo, li ka mette moun nan la rue, faire manifestation, contrôler en opposition politique, pa ganyen l pa fè. Pendant 4 ans, ki sa nou te wè? Pendant 4 ans, nous tout là, nous ouais comme opposition politique d'ailleurs, qui te constitue opposition politique là. Si on regarde les nègres, est-ce qu'on t'a pas dit tous ces nègres qui gagnent l'argent, qui te ca d'où ils prennent faire manifestation, faire paquet maillot, etc. Alors que mouvement ça, c'est pas vraiment des mouvements populaires, c'est pas mouvement côté que population t'apprend la rue tout bon. Est-ce que nous comprenons? Donc ces mouvements, ces manifestations qui financent par un groupe nèg qui ont même des intérêts qui menacent en dedans pays. Et c'est ça qu'il faut entendre leur manifestation. Ah, ça c'est opposant politique, ça c'est pour leur cachetil. Ça c'est vob yo cachetil. Vous comprenez? C'est comme ça bagay lan, c'est comme ça réalité. Kounye, leur vie n'a pas prendre. Moi-même, ça son choc, l'idée. Son choc. Vous comprenez pourquoi ça est un choc? Parce qu'on prend le nèg ici. Politiciens ici, non seulement ils ne contrôlent pas les bouchons, mais son paquet nègre, son paquet caméléon, son paquet traite, son paquet machin de pays, son paquet sans conscience. Nous songe, Joseph Lambert, il a participé à nos émissions sur Grand Boulevard avec Bob Zé dans Maté Caraïbe. Et puis, peut-être qu'il ne connaît pas s'il était en l'air. Il ne connaît pas s'il était en l'air. Si micro était ouvert et puis le bras dit que il y a 25 ans la travaille pour ambassade américaine. Tenez, un sénateur de la République, un élu, un monde sud-est fait confiance, yo vote pour aller représenter au nom Sénat non parlement et puis nèg la ouvre bouche, il y a 25 ans la travaille pour ambassade américaine pour américain pour blanc. Donc dites tout bien qui travaille Lambert à faire pour blanc. Sinon que agent double. Sinon que vingt pays livrer information sous pays. Jouer rôle tout est. Bon, qui ça? Qui l'autre bagaille? Parce que tout nèg sa yo gen grandzan nou ka blan, gen grandzan nou ka ofèf. Donc il a utilisé au compte haïtien, il a utilisé au compte pays. Donc vous pensez que bon tout dit non bagaille. L'autre
de bon ambassadeur américain qui vini là, qui installé dans château là, dans Tabor. Avant même que vous rencontrez un président, vous rencontrez un premier ministre, premier monde pour vous rencontrer, c'est Nexao qui a contrôle, qui a monopole économie en Haïti. C'est Nexao qui a dirigé chambre commerce en Haïti. C'est monde ça vous rencontrez. Parce que ce que dit, nous, intérêt, principal intérêt américain, c'est des intérêts économiques liés. Politique là vient après. Donc, c'est Nexao qui influence sur scène économique là. C'est Nexao, c'est avec eux, deal, c'est dit, ah, et comment on intérêt pays là? Intérêt nous menacer? Qui rentabilité qui gagne? Qui profit qui a fait, etc. etc. C'est ça qui est important pour eux. Donc, utiliser José, l'autre de Lambert Abdoul, 25 ans, la travail pour États-Unis, la travail pour Blanc, etc. C'est 25 ans depuis la 20 pays, petit bout, petit cal. Maintenant, reste à savoir, c'est qui ça le bayo? Qui ça le bayo li même qui fait yo même y'a protégé jusqu'à date? Qui ça le bayo li même qui ça le vend yo? Qui ça le fait au cadeau dans sud-est? Qui fait le capacité tout le temps? Ça m'pas quoi bouche l'embec ta trop chaud, m'pas quoi les échoules ta manger pour ta dou comme ça, li gen 25 ans, sans que c'est pas vrai. Vous comprenez? Donc nous obligés de prendre parole l'exao à la lettre, l'or y'a avili tête comme ça parce que c'est vérité. C'est vérité. Ou prend Reginald Boulos, Reginald Boulos, li président chambre de commerce 2004, c'était lui-même. Soit Aristide Voye, Aristide Dalle, c'était Reginald Boulos. Jodi a la obtende assassinat ou bien coup d'état ou bien Jovenel Moïse qui réussit comme ça pleinement, spectaculairement. C'est même yo même nan encore. Donc, dites tout bien. Dites tout bien. Est-ce que Nexayo, est-ce que Jodi a l'en a parlé et de la mafia économique en Haïti? Même pas parler de secteur économique. Non, ma parle de la mafia économique. Nexayo qui prend monopole marché, Nexayo qui prend monopole économie pays, qui a fait des faits, qui a coupé raché. Ou prend ancien président Michel Joseph Martelly. Non, sérieux. Ancien président. Jodi a là. Nous trouvons nous en situation côté que nous avons dénoncé un assassinat, un crime. Crapuleux, crime mesquin, horrible, inhumain, dégradant qui fait sous ancien président, sous un président, bon, il va ancien président, pardon, il va ancien président, là, tout il là, un président en fonction. Et puis maintenant, qui est-ce que nous avons cité là-dedans, parrain. Et en dépit du fait que nous avons cité non, Michel Joseph Martelly, comme un homme qui implique dans l'assassinat de Jovenel Moïse, ou pour regarder qui comportement américain, qui comportement mouché blanc vis-à-vis de lui-même, pas une hostilité, qui comportement qui gagne vis-à-vis de lui-même, au contraire, ou senti gagne plus ouverture qu'a fait pour Michel Martelly, parce que moi, récemment, m'a regardé quelques photos, ou senti Martelly plus confortable, ou elle avec mon Clinton, yo, ah, mon cher, c'est promotion qu'a fait. Go pas quelque autre projet là, go pas quelque autre projet, nèg yo gagne à terre là, qui a travaillé sous lui. Et moi-même, j'ai des informations m'a collecté sur projet ça, j'ai pour quand même et venir partager quelques données avec vous. Même ça pas terrible, hein? C'est pas terrible. On va venir trouver ou face avec une mafia économique qui kembe Haïti dans gauche, qui kembe Haïti dans gauche parce que pour yo faire économie au marché, faut que yo gagne contrôle politique là. Ils s'en foutent de la politique. Mais vrai intérêt au gagnant, c'est des intérêts économiques. Faut que yon ka contrôle. Yon a besoin de contrôler. Ou est-ce yon contrôle? Parce que Mabdou, l'on a parlé de Reginald Boulos, et côte à côte avec Jovenel Moïse pendant toute campagne. Jovenel Moïse, président, c'était belle bagaille entre eux, etc. Jusqu'à un certain moment, jusqu'à ce que des clics l'on mette pied. Mais qu'on yon a le comprendre. Nèg yo plus à l'aise le yo ka contrôle un président, yo ka contrôle un gouvernement. Mais le yo pa ka fèl de manière douce, yo fèl de manière forte. Le yo pa ka fèl de manière douce, pa ka gen compromis qui fait entre yo pour yo vann yo pays, pour yo vann yo monopole, pour yo ba. En dépit du fait que l'État paye pour yo pour service ya bay, mais l'État paye tout pour yo faire corruption. Parce que nèg la par exemple, nèg la li a importé gaz. Li achete gaz pour le vendre l'État. Ou konnen ou courant que nèg la, li achete gaz par exemple à 1 dollar, li vend nous la 2 dollars 50. Ou gen ta konnen la 100 dollars 50 en l'air. En dépit de 1 dollar 50 la faire en l'air, ou obligé faire un jour sous li pour bal subvention encore. Ou paye pour un service ou paye pour le faire corruption.
malgré ça, obligé de faire mes jours, obligé de faire silence, parce que l'argent, ça a fait sous le pays, sous le peuple, il a séparé là avec confrères, collègues, mafia, pareil, au niveau de la diplomatie internationale. Donc là, bon, dis-nous un dernier bagaille. Nous, ça a passé à terre là, nous, avec Ariel Henry. Ariel Henry, déjà, nous, elle va gagner la cachée, nous, encore. Il montre nous à clair qui est lié et comment il veut diriger le pays. Il n'y a pas aucun, comme si, il a essayé d'accommoder avec l'ancien temps de Jovenel Moïse. Non. Il montre qu'il prend pouvoir net, point boule. Et si il y a une bonne volonté, il y a une envie vraiment pour stopper l'insécurité, pour changer les conditions de vie, pour ramener la vie dans la communauté haïtienne, il n'y a pas yo pa fèl, yo pa fèl parce que yo pa vle fèl, yo gen tout moyen à la disposition yo. Yo gen tout zam yo à la disposition yo. Moi même matin, l'homme levé, m'a regardé un rapport qui était fait en 2004. Nations Unies sorti, le troupe brésilienne yo était là, casque bleu yo était là. Le fait que dans Cité Soleil te gon patrouille qui t'a passé. Te gon bandit dans Cité Soleil qui t'ai ouvri balle sur un patrouille. Ministre t'a passé. Comment ça on devait pour yon réplique, yon te rentre dans Cité Soleil. Te gagné près de 5 hélicoptères, 440 soldats qui te composé opération ça. Yon te tiré près de 22 000 cartouches, oui, joua. Yon te tiré près de 22 000 cartouches parce que yon te choisi dans le moment pour yon te rentre Cité Soleil, al fait des armements, al fait des mantèlements, al touye bandi. Vous comprenez parce que là, yon pral lindou, et à l'époque, c'était ministre, c'était casque bleu. Casque bleu, yon te fait là, yon te gon volonté. Malgré là, yon te fait des sentiers, a te gen moun nan mi ta population civile, mouri, etc., etc. Mais, ou te senti à travers l'action, te gen yon volonté. Jodi, yon cherche volonté qui anime autorité nou yon parwèl. Sinon que volonté pour yon krasé pays, yon vende pays, yon liquide pays. Moi, gon paquet mouvement ka fait. Hier, t'as une manifestation qui t'est faite devant l'ambassade de France. Yo lancé manifestation devant l'ambassade américaine. Yo lancé manifestation devant l'ambassade Canada, etc. Ça, yo, c'est des signaux qui lancent pour dire clairement que yo voulait un changement en Haïti, mais changement qui pour faire c'est haïtien qui pour faire. Yo pas voulu pour international là. Yo pas voulu pour quoi groupe pour binu pour bouche dans cause Haïti encore. Mais pendant mouvement ça yo fait là. Faut nous connaître que international l'extérieur a regardé nous. C'est pas moment pour nous quitter infiltration vin fait parce que nexao nous t'entend même nexao me sorti cité non ba nous là que le régional boulot cité Lambert té Malte l'île en réalité autre nexao c'est eux même qui a favorisé insécurité là c'est eux même qui kembe insécurité donc dites tout bien sou pa ka deal avec yo ou pa ka deal avec international là c'est entre nous pour nous faire deal c'est entre haïtiens jodi an la bataille qui doit faire là son bataille pour libérer pays en premièrement en bas griff nèg za yo en bas griff acteur ça yo nous gen dans tête institution yo mais en dépit de tout ça c'est garder par qui mesure possible nous ka repousser influence internationale en sous Haïti mais c'est difficile c'est pas impossible. C'est pas impossible par rapport avec nouveau choix n'a bien pour nous faire yo nouveau moun n'a bien pour nous mettre dans tête institution yo dans tête l'état parce que pas gain l'état sans autorité pas gain institution sans dirigeant jodi an c'est konn ki modèle l'état nous voulons pour pays nous konn ki modèle dirigeant nous voulons pour Haïti dans tête institution yo et puis après n'a parlé de changement après n'a parlé de reconstruction après n'a parlé de nouvelles structures etc. Nouvelle structure politique, nouvelle structure étatique, mais sans ça, si nous pas faut casser, si nous pas faut casser rythme nexao, si nous pas faire casser, nous pas casser fe nexao, qui ça nous va faire pour pays? Qui solution nous va venir avec problème yo? Ariel confortable depuis 20 juillet, Ariel confortable, plus confortable parce que pas ou. Parce que nous même nous en insécurité, on a caché pour bandits, on a caché pour gang. Yo même c'est eux-mêmes, c'est même gang ça, c'est même bandits, c'est eux-mêmes qui ont décidé pour nous. Donc à tous les coups, vrai perdant c'est nous-mêmes liés. Vrai perdant c'est nous-mêmes liés. Donc là et pense nous gagne assez éléments dans nous. Je pense que nous avons assez de bagages dans nous. Et nous avons veillé 7 février 2023 ça avec Ariel Henry dans notre pays. Et finalement, nous avons connu tout le monde qui côté nous, qui côté nous prend. Et qui est réellement qui est derrière l'assassinat de Jovenel Moïse. Donc là, avant de quitter, je me rappelle nous.
qui te me rappeler nous projet à mes amis projet à m'a tant nous projet fait demain là à $25 US ou bien 2500 goud pour dernier dimanche dans mois mai 2022 là en nous aider en nous contribuer à faire sans femme souri sans maman en nous aider au souri en nous aider mouyo jouer nos petits kichoir jouer nos petits bagages dans main pour au moins et gain espoir dans lundi matin pour monter un petit chose de la caillou ba petit petit manger etc parce que si c'est pas nous qui fait le pour pas grand monde qui va le faire pour et si c'est monde qui défavorisé si c'est monde qui n'a besoin c'est ça pays va manquer c'est ça Haïti pas manquer donc n'a fait geste ça n'a fait effort avec que nous nous pas faire parce que Yann mandé nous mais n'a faire parce que nous gain sentiment que moun yo nan besoin vraiment nous wè nécessité qui gagne nous wè envie qui gagne pas bon côté moun yo pour vivre pour sourire mais et nous même qui pour contribuer c'est nous même qui pour faire ensemble. Nous avons deux produits à eux, qui sont des outils et des bâtons. Nous avons chaque vini dans trois phases, trois étapes, trois dosages. Nous avons chaque, c'est pour un mois d'utilisation pour faire un traitement de 90 jours chaque. Dans des outils, c'est une pommade qui est faite à partir de 8 produits naturels. Il parle décalcifier corps carveneux, tissu spongieux pénislant pour augmenter l'élasticité tissuelle des membres. Il a pour optimiser la santé générale. Il est composé à partir d'une graisse blanche médicinale et but ultime, c'est faire l'organisme produit en pile hormone testostérone qui prale la rousse à une libido. Il va faire ça en une plus fluide pour permettre une meilleure circulation dans l'organisme pour qu'à joindre une érection plus ferme. Pour plus d'informations, relevez dans 514-846-9766. www.zestofmoringa.com. Bienvenue dans la rubrique Espace International. Là, mon côté pour capoter les pour. M'sieur Marken Love, Gloire Gaines, guerrier, coordonnateur, jeune acteur pour les changements, GHA. Bonsoir Yannick, bonsoir tout le monde. Et son plaisir pour nous parler jeudi à de ça qui a passé sur scène internationale. Tant qu'on nous connaît la guerre qui oppose l'Ukraine la Russie, elle même les pas suspend fait parler de lui. Je dis à nous font retourner pour que nous capable présenter nous ça qui a passé dans guerre ça qui pour que jambe camper depuis environ 80 jours. Guerre elle même pendant période ça yo Livin vraiment mettait en confiance ou bien vin mettait goût son vieux adage militaire qui stipulait que première victime qui capable gagner un conflit c'est plan. Donc c'est qui plan que vous t'ai gagné, c'est qui plan que vous t'ai défini pour capable entrer en conflit ensemble avec un autre pays. Et c'est qui plan tout l'autre pays à lui-même il était paré pour si toutefois un pays t'a va venir menacer, t'a va venir entrer en guerre ensemble avec lui. Donc, c'est à partir de là, vieil adage lui-même l'a stipulé clairement que première victime dans un conflit, c'est plan. Donc, après environ 80 jours de guerre qui gagnait entre la Russie et l'Ukraine, il y a un pile observateur, soit des militaires qui a observé vraiment qui ça qui a passé et qui le sont capables de tirer à travers le conflit, ça yo même pour renforcer tête yo. Mais il y a un pile bagaille surtout occidentaux yo même yo mettait accent sur lui les yo camoufler aide que yo porté ensemble avec l'armée ukrainienne non? Et puis yo prouve clairement que c'est efficacité résistance ukraine gagné ça c'est un bagage qui extraordinaire et qui repose surtout sur une chaîne de commandement qui décentralisé donc qui très élastique qui pral vinn appuyer sur et dispersion côté que yo permettre que logistiquement yo capable et voyer li sur plusieurs zones en Ukraine. Yo remarqué en même temps et que plus par exemple territoire que pays qui rentre en conflit a li même li loge, c'est plus que pays ça li même est vulnérable, li gen plus risque pour permettre que yo capable attaquer ou bien frapper pour capable gagner des victimes sous lui. C'est ça que yo prend en comparaison ensemble avec la Russie. Donc, yo parlé de planification russo et planification invasion russo yo même, il était vraiment rigide côté que yo t'a essayé venir rentrer en Ukraine, mais
tellement te gen un contre-attaque qui était paré, qui bien arrangé, et côté que Russie même sous n'importe qui grain sable permet que même capable buter côté que tomber. Mais ça c'est en partie côté que camouflé dans question là, les nous connaît qui ça veut dire l'armée russe là, ça le représenter en termes militaires, hein. Deuxième observation que vous faites, c'est que expérience même ouais, c'est pour la première fois que est capable de gagner et yo pointé officier et l'armée qui capable de gagner au cours d'un conflit pareil, côté que gagne plusieurs des milliers et des membres du secteur privé eux même yo capable venir supporter et un pays. Donc secteur privé a les toujours fait la part par le biais des gouvernements, yo camoufler sa position, mais là c'est pour la première fois que yo paraît, notamment avec des secteurs privés américains qui engagent et pour permettre que bon côté l'État et ukrainien pour porter assistance. Par exemple, il y a parlé de Starlink et qui sont un système d'accès ensemble avec internet par satellite, puis surtout Elon Musk qui sont un milliardaire lui-même qui assure communication pour toute l'armée ukrainienne, non? Et avec question géolocalisation, logiciel de reconnaissance faciale que vous gagnez, Clearview, Twitter que vous utilisez, et avec DIA qui permet que vous gagnez en pile solution pour permettre que vous capable renseigner non seulement à travers les réseaux sociaux, mais avec des systèmes interopérationnels qui permettent que avec système militaire pour être capable non seulement localiser mais aussi apporter et communication directe ensemble avec des soldats ukrainiens qui soient qui capable positionner dans zone de rouge pour qu'on connaît qui façon pour être capable contre-attaquer ou bien riposter par rapport à attaque. Donc et spécialiste même ont montré que c'est du jamais vu, parce que question en lui-même est vraiment compliquée par rapport à la quantité bourrade que l'Occident, secteur privé, a porté à l'Ukraine pour capable résister face à la Russie. C'est sans ne pas oublier parler des sanctions que nous bouquons parler déjà dans l'autre vidéo qui est passée. Il y a une autre grosse arme qui est utilisée, qui c'est smartphone, qui paraît tellement important pour eux, parce que le téléphone là il vient un bagage qui est essentiel dans conflit ça, dans conflit direct ça, qui paraît presque même indispensable pour faciliter communication ensemble avec renseignement avec armée ukrainienne pour capable répondre face à invasion russe que relé et occidentaux même y aurait les comme ça. Donc il a posé cette question dans un avenir plus proche, comment l'autre armée yo même yo capable profiter de à tout ça, comment yo même yo capable profiter de stratégie ça pour permettre que yo même yo ka vinn plus fort. Mais yo pas surtout mettre accent que armée russe là yo même yo gain des matériels sophistiqués, tout simplement yo a essayé mettre en quelque part et en première page capacité de défense l'armée ukrainienne dans lui-même gain. Maintenant, un communiqué qui était passé dans quelques jours qui s'est passé là-haut, et président Sauli Niinisto et premier ministre Sanna Marin lui-même a évoqué, qui c'est présidente et premier ministre Finlande, un pays qui trouvait lui en Europe, côté que lui-même yo évoqué permettre que pour capable intégrer l'OTAN. Ça li vini implicitement après un vote que parlement lui-même l'était voté, yo t'ai fait dans quelques jours et avant déclaration. Pays a lui-même après seconde guerre mondiale, n'a parlé de Finlande, après seconde guerre mondiale là, yo même yo t'a vivre dans l'ombre l'Union soviétique pendant pile temps. Donc pays ça a li partagé 1340 km de frontière avec la Russie, et yo réciprant yon décision que expérorelé en décision historique, parce que c'est pour la première fois que yo même yo changé page là tout comme ça. Mais toutefois gagné et Finlande lui-même li était commencé à
à suspendre neutre dans conflit qui gagne soit dans position qui gagne face à l'une et la Russie après intégration li dans l'Union européenne en 1995 et puis li vinn participer en 2014 et dans sanction que ont pris contre la Russie pour invasion russe en Ukraine surtout en partie qui est Crimée. Donc li manifeste volonté pour que li capable venir intégrer alliance militaire là qui c'est l'OTAN mais toutefois yo même yo été pragmatique yo essayé peur parce que yo pas connait qui rétroaction qui capable gagner qui ça la Russie lui-même li capable venir faire si toutefois parce que la Russie veut envahir tout pays voisin qu'elle gagne qui voulait intégrer à l'OTAN. Donc c'est ça qui posait comme inquiétude et sociodémocrates même parti qui est au pouvoir en Finlande yo pral confirmer position ça samedi 14 mai qui a venir là ou soit 15 mai ou soit dimanche 15 mai en façon pour permettre que capable connaître et pour capable de faire demande là officiellement demande d'adhésion pour capable entrer dans l'OTAN mais deux pays ça même yo surtout yo collaborer déjà dans sous plan militaire peut-être qui capable porter en solution ensemble avec question. Et pendant dernier mois ça malgré plusieurs accords plusieurs pourparlers qui gagnent entre plusieurs dirigeants pour permettre que cap garder période et adhésion la Suède ensemble avec Finlande gagne un problème c'est que pendant période d'adhésion même li impliquer que faut capable gagne ratification par tout membre qui est non autant et ça après prend plusieurs mois mais la Suède ensemble avec Finlande yo même yo trouvé yo dans situation extrêmement difficile côté que yo manifesté volonté pour intégrer mais ça après prend une période de temps pour yo capable négocier pour vote capable faire donc candidat lui-même li a prêté comme un non membre jusqu'à ce que processus ça lui-même li terminé ça veut dire pas fait partie de l'organisation et ça a prouvé clairement que pays ça qui voulait qui gain volonté pour capable intégrer organisation ça qui c'est autant li pas capable bénéficier de parapluie article 5 du défense mutuelle qui gagne dans autant ça veut dire article 5 là même genre que m'te dit dernièrement li dit clairement soit attaquer un pays membre l'OTAN c'est comme soit attaquer tout net donc ça veut dire processus ça va prendre plusieurs mois de négociations pour passer au vote. La Suède ensemble avec Finlande yo peur pendant période ça pour la Russie lui-même li pas attaquer au même genre que li attaquer l'Ukraine et il a précisé que l'Ukraine lui-même li gagne plus territoire li plus large que la Finlande donc qui était en inquiétude. Selon dernière déclaration que Medvedev lui-même lui fait connait, lui dit clairement un conflit ouvert ensemble avec OTAN avec la Russie capable conduire à une guerre nucléaire. L'en considérer c'est un pays même si c'est deuxième puissance militaire au monde avec plusieurs pays qui gagnaient des capacités militaires tout qui capable faire face à face ou imaginer qui ça cabaille et surtout l'utilisation armes nucléaires là ne t'ai parlé de ça dans une vidéo qui t'est passé yo c'est pour un petit bagaille petit donc et homme politique ça lui même qui était occupé présidence Russie en 2008 à 2012 et il était venu premier ministre de 2012 à 2020 lui même lui dit clairement autant et a inondé Ukraine ensemble avec ZAM ça permet que yo capable yo non seulement entraîner l'armée ukrainienne non mais yo manipuler surtout équipement occidental yo pour permettre que yo et Ukraine capable gain force pour faire face ensemble avec invasion russe. Il parlait tout que l'OTAN envoyait plusieurs mercenaires pour permettre que capable effectuer des manœuvres qui prend là sous frontière russe pour capable garder comme capable résistance Ukraine face à la Russie, ça qui augmenter probabilité pour permettre que capable gain une guerre ouverte qui éclater entre la Russie et l'OTAN. Et si toutefois guerre ça lui-même un tel conflit arrivé, ça qui va gagner des conséquences extraordinaires sur le monde là parce que c'est l'utilisation de l'arme nucléaire qui va rentrer en évidence. Merci parce que nous t'ai accepté de nous. C'était Marquin Love Glorien. Bon rendez-vous à la prochaine pour une autre vidéo. N'espérez que nous t'ai passé un bon moment ensemble. Bye bye, à la prochaine. Rendez-vous à l'ICAC pour Pita 7h boule avec Foucault pour reste programmation. Restez connectés. Tout à 9.
haïtien ou remè pays ou, et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'énoncé, mon éditorial nous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, monsieur Chanel Paul là, pour qu'à bien informer avec y